Bon alors les gars, comment on sent là avant le départ? Au top, il fait beau, un petit vent frais, mais bon, ça va nous rafraîchir pendant la marche. Mentalement, on est préparé, physiquement, on verra bien. On verra. Des petits changements par rapport à l'année dernière sur la préparation? Moins élevé la préparation cette année. Et au niveau des sacs? Aussi. T'as combien toi? 12, 13, 13 avec l'eau. Ouais, moi avec la tente là, je suis à presque 15 là, quand même. Ouais. Mais on va se la passer avec mon frère avec qui je fais la compète qui est le seul. Et par rapport à l'année dernière, vous avez modifié vos sacs? Alléger les sacs. Obligé d'alléger les sacs, ouais. S'entraîner un petit peu avant aussi physiquement parce que ça avait laissé des traces. Hein. Les savants, les savants installés. Les savants installés aussi cette année. 14. 14. On n'a pas pesé, mais... Je crois que 7 et 7. Ouais, 7 et 6. 6. Ouais. 7 et 6. Ouais. 13 kilos à 2. Bon, on est assez léger. Ouais. Après, on part à 15 avec 5 la Cora 3 à 6. C'est ça. On a pris un peu trop, mais on va manger. On aurait peut-être pas dû prendre les conserves. Il ouais, faut faire des choix. Ouais. Soit le confort, soit l'inconfort et peu de points. Ok. On aime la pêche, on aime la montagne, on s'est dit pourquoi pas. D'accord. Moi je suis peut-être plutôt trek que pêche, mais peut-être. Je sais pas. Mais par contre on n'est pas ensemble en fait, c'est pas mon binôme, c'est mon. C'est lui mon binôme. Ça c'est l'ennemi ça. Okay. Bon, on va essayer de faire au mieux hein, pour, ah, oui. Pour réitérer. Ah, ça va être cool, on va voir. Du coup on va bien s'amuser, il va faire beau. Mais... Alors, on a l'équipe avec le plus jeune compétiteur, t'as quel âge Marc? 7 ans. Bientôt 8. Ouais. Bientôt 8. T'es au taquet? Prêt? Tu vas mettre une pilule à ton père là? Première compétition officielle, on a tablé un peu. Ouais, la Salmotrek, 7 ans. C'est ça. C'est beau. On va essayer de terminer déjà, c'est un gros objectif. Ouais. Si on arrive à faire quelques poissons cette année, ça sera déjà beau. Faire plaisir, je pense que c'est tout ou rien. Soit il continue après, il demande que ça, soit c'est la dernière. Soit il arrête. Ouais. Ça marche. Bon bah, merde à tous les deux. Je suis arrivé, il était... Un petit cas médico, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Voilà. C'est cadeau. J'ai tout mis celle. Ouais, ça va faire. Ce sera là, c'est sûr que tu mets. Le soleil vous accompagnera tout le long et moi je vous fais les recommandations habituelles. C'est un milieu très fragile, on vous l'a rappelé. Essayez d'être le plus discret possible et ne pas déranger les troupeaux, mais on n'a pas besoin de vous le redire, vous l'avez su. Je vous souhaite à tous une très très belle compétition et félicitations à l'organisation. Merci Luthier. Thank you.
montagne, ça s'est passé comment hier? Plutôt pas mal, parcours un peu difficile, très chaud, et on passait pas trop au rendez-vous du côté de Campana, alors du coup on a bifurqué et on a réussi à faire une belle pêche après le soir, pour bien. D'accord, vous avez combien de poissons du coup? 10 ombles. Ah bien. 10 ombles seulement, et maintenant on cherche. Okay. Il va falloir confirmer ça dans les heures à venir et surtout dans les grands lacs et les grosses rivières. Ok, reste. Ouais, super sympa, comme l'année dernière, avec plus de marche encore quand même. Vous trouvez que ça a été plus dur? Ouais. Ouais, c'était un peu. C'était niveau dessus, je pense, par rapport à la marche. Bon, après, c'était agréable, il y avait super beau temps. Ouais, c'était sympa, ouais. Il a fait beau. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, les gars? Non. Tu as fait du poisson? Un seul poisson depuis vendredi. Où? Fort bien. Ouais, c'est tout. C'est qui l'a fait? Raphaël. Ah.